Bonjour Jules, vous êtes le petit-fils de Aimé et Marguerite Mag. Nous sommes ici à l'imprimerie Arte. C'est une imprimerie que votre famille a rachetée dans les années 60, c'est bien ça, en 64. C'est la fondation de plusieurs imprimeries qu'on avait, soit à Cannes, soit à côté de Paris. Et l'idée était de créer un pôle important pour les artistes en 64. La production, c'est l'imprimerie Arte, et les éditions, c'est les éditions Mag. C'est comme ça depuis les années 30. Mmh. On a d'un côté un outil de production et un outil de promotion et vente. D'accord. Qui sont les éditions. Je partage mon temps à la fois entre l'outil de production, c'est-à-dire les artistes, la gravure, la litho, etc. Mmh. Et aussi tous les outils d'édition qui est la promotion, la publicité, la vente, la diffusion. C'est certainement l'endroit où on est le plus proche des artistes. C'est certainement l'endroit où on est au plus proche de la création. Et c'est certainement l'endroit où on peut discuter le plus librement avec un artiste. On n'est rien sans eux et ce n'est pas notre travail. Moi, je ne suis pas artiste. Mon travail, c'est de leur donner la meilleure façon de s'exprimer. Que ce soit par la gravure ou par la galerie ou par les éditions. D'accord. Ou autre chose. Dans un atelier, notamment avec Vincent, qui est un des plus grands spécialistes de toutes les techniques de gravure, c'est un super confort. Parce que si on a une question, si on a un problème sur notre plaque ou quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer, et Vincent est là tout de suite pour nous aider à trouver la solution. Et en plus, la gravure, moi, j'en avais fait un peu à l'école, mais ça remonte à un peu longtemps. Et donc, je suis constamment en train d'apprendre des nouvelles possibilités d'arriver à faire ce que je veux. Et c'est marrant de voir qu'il n'y a pas une seule façon de faire une image, il y a une infinité de possibilités. Et à chaque fois qu'on bute sur un problème, il y a Vincent qui nous permet d'avoir une nouvelle possibilité pour s'en sortir. Donc c'est plutôt un confort. C'est un confort et puis on apprend plein de trucs. Moi j'ai mon petit carnet, je note tout ce que Vincent me dit, j'apprends des mille choses à la minute. Et j'ai des techniques qui vont me servir tout le temps. Merci. Rentrée à l'imprimerie Arte, elle est gravée dans le marbre, dans le zinc, dans le cuivre ou juste dans un petit coin de ta mémoire? Alors, elle est gravée dans une montée, une ascension pour un jeune imprimeur que j'étais. J'ai 40 ans et j'ai eu un travail à faire qui était colossal. Donc j'ai eu la chance de travailler avec Manolo Valdés sur un travail qui a pris plus de 18 mois d'impression. Une gravure en trois plaques d'1,70 m par 1 m. C'est une sacrée aventure pour moi qui m'a donné le goût, en fait, à ce travail. Au baptême du feu, en quelque sorte. Exactement. Et on ne peut pas imaginer de mieux ou de plus étrange que de démarrer dans ces conditions-là, quand on était un débutant. Quelles sont les clés d'une collaboration réussie entre un imprimeur et un artiste? Les qualités dont doit faire preuve l'imprimeur? C'est d'abord une relation humaine, c'est une relation qui se passe toujours très bien parce que l'artiste est invité, hein, il est accueilli, on se prépare à sa venue, on développe une stratégie, mais on travaille un peu ce qui va se passer en fait avec l'éditeur, Jules Mag, et donc on sait à peu près où on va et on va rencontrer un homme ou une femme. Et on va donc avoir une première relation humaine, en fait, hein, simplement de dialogue, de comprendre exactement ce qu'il se passe, ce qu'il aime. Et doucement, on va rentrer dans la technique, on va mettre en place le travail dans les meilleures conditions, parce que là, l'artiste est invité, donc il va passer le temps qu'il faudra dans cet espace où on va tout aménager pour lui.
Donc il est attendu, tout est mis en place, et donc c'est un moment très intéressant pour lui comme pour moi, parce qu'en fait, on est en train de fonder quelque chose. Et puis arrive le moment où on travaille, où il va falloir comprendre, et là donc c'est tout un travail d'approche, d'écoute, pour comprendre exactement ce que veut l'artiste, ce qu'il va faire, sans le dérouter, sans interférer dans son travail, mais en mesurant en fait ce qui est son potentiel, ce qui est intéressant dans ce qu'il va faire. Et il y a un travail de fond que l'on fait avec Jumma, avec l'éditeur, c'est on fait des débriefings souvent en dehors d'artistes, régulièrement, pour dialoguer et essayer de comprendre quelles sont les possibilités et les intérêts, en fait, les choses extraordinaires qui peuvent sortir si on pousse un peu dans un sens ou dans l'autre. À partir de 1945 ? Il y a trois générations d'artistes. Donc la première génération qu'on voit très bien dans l'exposition surréaliste de 1945, c'est Miro, Calder, Bonnard, Matisse par exemple, qui sont des artistes qui étaient déjà très reconnus, Giacometti. D'accord. Et ensuite il y a une deuxième partie qui est plutôt les années 60-70, avec des personnes comme Roberol, Riopelle, Bazaine, Hubach. Quand un artiste venait à la galerie faire une exposition, plutôt que de reproduire une œuvre, on lui demandait d'aller à l'imprimerie et de faire une affiche totalement originale, très souvent en lithographie, pour l'exposition. Donc, partie de cette idée-là en 68, l'idée était de faire travailler des artistes de notre galerie en même temps que mai 68. C'est pour ça qu'il y a eu Zaouki, Calder et plein d'autres qui ont fait des affiches qui sont importantes pour mai 68. Ou Eiffel ou d'autres. Des artistes comme Nu, comme Bonnard, Braque, etc. sont passés par les imprimeries, MAG, mais il y a aussi des bédéistes, et ça c'est moins connu, comme par exemple Wolinski, Florence Sestac qui habite Flock, à côté. Moebius, Jean Giraud, et Bilal bien sûr, ou Tardi. Ça fait partie en fin de compte dans notre histoire du fait qu'il n'y a pas des arts, il y a un art. Donc, traiter différemment une personne de BD, d'illustration ou de musique par rapport à un plasticien, pour nous, ce n'est pas dans notre ADN. C'est pour ça qu'on a toujours tout mélangé. Si vous regardez la première exposition de 1945, qui est fondatrice pour nous, c'est un gros mélange. Et si vous regardez les concerts de la Fondation, c'est un énorme mélange. Et aujourd'hui, ça fait partie toujours de notre ADN, c'est de ne pas mettre les artistes dans des cases ou dans des tiroirs. Ce sont des créateurs les uns comme les autres. Dans notre histoire, il y a eu plusieurs événements importants. Il y a eu 64 avec l'ouverture de la fondation. C'est important parce que c'est la première fondation privée d'Europe. On a commencé avec combien d'œuvres ? Aujourd'hui, la fondation doit avoir à peu près 12 ou 13 000 œuvres. La première donation de mes grands-parents à la fondation, puisque c'est l'idée de la fondation, c'est qu'elle s'appartient à elle-même, mais que ses œuvres lui appartiennent. Donc la première donation doit être de 2 ou 3 000 œuvres. Dès le départ, ont été introduits dans la fondation le théâtre, la musique, il y a eu des concerts incroyables de la Monte Young, Terry Riley, Sun Ra, des spectacles de Merce Cunningham, ou La Claca de Miro, qui est du théâtre. Après, il y a eu Pierre-Henri, Kagel, Stockhausen. C'est un lieu qui est toujours vivant. Et cet été, on va avoir une grosse exposition et avec des concerts.